Voilà, mon petit carrosse du jour, bonjour. Ça fait une très belle photo d'ailleurs. Monsieur Cyril nous ramène une belle italienne. Ça va Cyril? Bien, tranquille. Le petit tchèque italien. Prends le volant. Et tu vas nous raconter un peu d'histoire. Ouais. Très bel intérieur. Bon alors Flo, tes premières impressions au volant de cette Maserati? Bon, c'est pas pour faire le kéké, mais quand même, hein, juste jusqu'à 50 km/h. Elle chante, la belle là. Bon, on va faire une petite accélération quand même. Allez, on y va. On va laisser un peu de marge quand même, on va être safe, hein, attention. Alors donc, du coup, c'est quoi? C'est un V8? Ouais. Ouais, c'est un V8, en fait, c'est un V8 qui est issu de chez Ferrari. Ouais. Puisqu'il équipait à l'origine Modena et ensuite F430. D'accord. Alors, on va filmer l'Axel. Alors, les palettes au volant, c'est extraordinaire. Elles sont énormes. Ouais, en carbone. Tout carbone. Waouh. Eh mais ça pousse. On est déjà à des vitesses. On est déjà au-delà des vitesses. C'est ça. On est quoi, à 4 secondes à peu près, 0 à 100? Non, un peu plus, 5 secondes et quelques. Ah mais ouais, en fait, cette voiture, elle te donne une impression de vitesse, ah ouais, son, notamment grâce au son. Ouais. C'est incroyable. C'est ça qui est extraordinaire. Super joué Cyril, merci pour ce petit jouet italien qui sonne à ravir. Voilà ce que m'a donné Cyril. Des clés, un trident, Maserati. Cyril, qu'est-ce que tu fais encore? Qu'est-ce que tu nous... Allez, je rends tes clés. Merci. Bon. Qu'est-ce que tu nous as ramené encore? Maserati Grand Cabrio. Ouais. D'accord. Donc, très belle. Hein. Le modèle GT de chez Maserati. Un petit V8. Petit. Non, un gros V8. Combien de chevaux? 470 chevaux. Mmh. Qui vient directement de chez Ferrari. Ferrari. La F430, c'est ça que tu me disais? F430, oui, oh, un dérivé. Alors, ici, c'est le modèle MC. Donc, Maserati Corsé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'appendices, beaucoup d'options. Type et course. Venez, je vous fais. Ah voir. Ouais, vas-y, allez. Regardez déjà ce petit becquet carbone ici. Alors, elle est de quelle année cette voiture? Alors, celle-ci, elle est 2018. Hein. 2018 oui, ah ouais, donc 2018. Elle est tout récente. Maintenant, elle a commencé à être produite il y a plus de 10 ans. C'est un modèle, on va pas se mentir, qui est en fin de vie. Mais pour un modèle en fin de vie, il est assez exceptionnel parce que Maserati a mis dedans tout son savoir-faire, tout ce qu'ils savent le mieux faire. Et on va en faire un petit peu le tour pour vous montrer. Regardez ici, on a les poignées. Ah ouais, les poignées en carbone. Carbone. Très très joli. C'est du vrai, bien sûr. Ouais, wow, ça rend super bien en fonction après, de la lumière. Après, on prend l'intérieur, mais il y en a déjà. Les rétro-carbone. Rétro-carbone. On va passer ici, donc, les jantes noires. Ici, on est sur du j'ai oublié, c'est du 20 pouces. 20 pouces avec des étriers rouges. Côté sportif, c'est le seul appendice sportif qu'on puisse voir de l'extérieur. Enfin, moi, après, dans le détail. Sportif, c'est l'avant de la voiture, ouais, avec, juste exceptionnel. Avec t'as les quoi, les prises d'air. Les extracteurs ici. Extracteurs d'air, pardon. Hein, pour enlever l'air chaud du moteur. Ouais. Ah, t'as le petit. Dans les détails, regardez le petit logo Maserati. Et puis, dans le genre de détail, vous avez l'œil de la voiture qui est là et cette bande noire qui, finalement, de face, lui donne un air encore plus agressif. Plus méchant, ouais. Genre voiture fâchée. Genre voiture fâchée, t'as aussi le lafare que t'as pas parlé, Cyril. Oui, très important. Très important. Sur une Maserati. Et puis alors, t'as cette calandre, on va en inversée, parler, c'est on ça va en parler deux minutes, voilà. Les grilles ici qui sont concaves. Ouais. Le logo Maserati avec les petites bandes rouges pour dire que c'est une version sport. Elles sont rouges. Voilà. Un petit détail. Pour les versions confort, c'est bleu. Ah d'accord. Ça, c'est comme ça que tu le vois en fait, la différenciation. Exactement. Et alors, la plaque italienne, voilà, franchement. Ça, c'est pour, c'est pour la bella macchina. Et puis elle est belle, hein, parce qu'elle est toute petite la plaque, donc ça fait son petit effet. Regarde. C'est discret encore, mais regarde la petite lame carbone. Ah ouais, lame carbone, ouais. Tout est dans la discrétion, exactement. Le détail, exactement. Les radars
avant aussi intégré. Non, non, elle a une belle bouille. Combien tu me disais? 470 chevaux. V8, 0 à 100, donc l'accélération 0 à 100. En moins de 4 secondes, moins de 5 secondes. Moins de 5 secondes, vitesse max de 188 km/h, les amis. Prix à partir de 150 000 euros. Et cette version. Mais celle-ci, on est à 178 000 euros parce que, encore une fois, il y a tous les packs possibles, packs carbone, etc., etc. Et alors, l'intérieur aussi, on fait un petit tour à l'intérieur. Moi, je prends la position du conducteur. On va voir tout ça. Alors déjà, ce qu'on peut dire sur l'intérieur, en termes, encore une fois, de richesse d'options. Regardez, il y a du carbone à tous les étages. Ouais. Les dossiers, la planche de bord, la console centrale. Il y a du carbone partout. Partout. Même sur le volant. Même sur le volant. Volant, les palettes. Ici, encore une fois, en option, en trimatière. Ah, c'est une option, ça? Ouais, ce volant est en option. Regardez la taille des palettes. Ouais, la taille des palettes, elle est énorme. Regardez, petit rappel aussi, le ici, trident là, brodé, ouais, le trident les ici. Surpiqûres rouges. Très très beau. Très en bien fait, fini. Quand on regarde le pédalier, quand on regarde partout, très bon. Encore une fois, c'est tout le savoir-faire Maserati qui a été concentré. Ici. Ouais, même l'écran est énorme. Hein. C'est un écran tactile ou pas? C'est un écran tactile. Ah ouais, bien. Avec le Apple CarPlay qui est assez pratique en voyage. Ouais, c'est sympa. Puis là, tu as le petit repère de course si tu veux faire du circuit. Et bien sûr, tradition oblige. Ouais. La pendulette Maserati au milieu. De série, bien sûr, c'est pas une option. Hein. Ouais. Non, c'est un bel exemplaire que tu nous ramènes. Cyril, c'est très très beau. C'est mélange entre sportivité et raffinement aussi à Maserati. Exactement. Si je dois pointer les concurrentes, je te coupe, mais les concurrentes, c'est quoi sur le marché? T'as quoi? Aston Martin? Non, pas Aston Martin. Alors, elle a plus trop de concurrence, puisque, encore une fois, si on compare à une Aston d'aujourd'hui, elle va être derrière, on va pas se mentir. Ouais. Donc aujourd'hui, la concurrence... Il fut un temps, la concurrence, c'était quoi du coup? Fut un temps, c'était F430 Spider. Ouais, Spider. C'était, les Aston Martin Vantage on va se reculer, de l'époque. Il y a un bus qui vient nous flinguer la vidéo, mais on continue, c'est pas grave. Il y avait éventuellement des Mercedes AMG qui pouvaient être concurrentes. Ouais. Voilà, t'avais aussi la Audi R8 Spider à l'époque. Ouais, tout à fait. Voilà, donc nous, vous, n'hésitez pas vous les amis en commentaire si vous avez d'autres concurrentes sur cette Maserati MC Grand Coupé, c'est ça? Comment je non, ne sais non, pas non, comment non. elle s'appelle. Alors, en fait, cette Grand Cabrio. Donc Grand Cabrio. MC. Grand Maserati Cabrio. Corse. D'accord. Ok. Bon, on va y arriver. Bon, elle est très très belle. C'est un joli modèle. Et sur ce, Cyril. Je te propose un petit démarrage quand même. Ouais. Tu veux nous dire quoi? Ciao tutti. Ciao tutti. Allez, démarrage. Fromage. 4 fromages. Écoutez-moi ce petit son, je vais vite. À froid comme ça, un petit coup. Alors le moteur est chaud, hein, les amis, pas d'inquiétude. Aïe, 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 aïe. Incroyable. Cyril, tu peux y aller. Dites-nous en commentaire si vous aimez bien ce bruit du V8. Alors vous voyez, c'est calme, on entend même les oies, on est en pleine nature. Et puis il y a ce Cyril qui arrive, ici, on le voit arriver. Elle est très belle, je me tais, et je laisse écouter cette diva italienne. Écoutez-moi ça. Voilà. Cyril a tout gâché. C'est parti, on est à l'intérieur de cette Maserati Grand Cabrio MC, c'est écrit ici, je ne l'invente pas. On est sur une consommation mixte de 13 litres au 100 sur 1500 km quand même, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein, franchement, pour un V8. Je suis assez étonné. Alors on va pas se mentir, si vous mettez le pied dedans tout le temps, t'es à combien, on monte à 19 litres sans problème. Ouais. Maintenant, en utilisation en bon père de famille, normal. On arrive à 12-13 litres. Ouais. Ce qui est, tu l'as dit, relativement correct pour une voiture de ce gabarit là. Je vous rappelle qu'on a quand même un V8 Ferrari quoi. C'est vrai, on a un V8 Ferrari qui chante. Oh, 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 oh.
qui chante très très fort. Et en fait, on est quoi? On est même pas à 50 km/h. La voiture, ça. Elle. T'as toujours une impression de puissance et de vitesse, ouais, en fait. Même quand tu vas acheter ton pain. Ah, j'irais qu'elle a même pas un son, mais une symphonie. Cette petite rue, moi, je la connais bien. Ouais. C'est la rue dans laquelle, en général, ça résonne plutôt pas mal. On a des immeubles de chaque côté. C'est vrai. Allez, on se tait. Voilà, Cyril a réveillé tous les voisins qui dormaient. Alors après, bon, il est midi, ils peuvent nous pardonner un petit peu. Il est mort de rire. Hein. C'est, ouais, c'est génial. C'est génial. Cette voiture donne le sourire dès les premiers kilomètres. Alors ça donne pas le sourire aux rageux. Hein. Non. Il n'aime pas bien les belles voitures. Non, ça. Les gilets jaunes, on casse les voitures et tout ça. Non. La passion avant tout. Après, ceux qui sont rageux, évidemment, sortez. Hein. Vous n'allez pas prouver votre plaisir. Vous n'allez pas trouver votre plaisir à travers de cette vidéo. Prenez un Model X, une Tesla par exemple. C'est mieux, ça fait pas de bruit. Ça fera pas de bruit. Et ça consomme pas. On va vous faire croire surtout que ça sauve la planète. Enfin bref, c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. On s'écarte du sujet. Ton ressenti à bord, t'as fait 1500 km. C'est quoi ton ressenti à bord de cette GT cabriolet, si tu veux? C'est une GT hein, à la base. C'est une Gran Turismo parce qu'elle est en plus, elle est issue de la Gran Turismo. D'accord. Donc oui, c'est une GT. On peut enquiller les kilomètres. On se met au régulateur, tranquille, à 130 sur l'autoroute. Et franchement, elle peut être silencieuse. Hein. Là, on a activé le mode sport, mais en mode normal, elle est tout à fait silencieuse. C'est vrai. C'est vraiment ce qu'on appelle une voiture plaisir. Regardez, là, on est décapoté. Moi, dans mon rétroviseur, j'ai les deux logos Maserati des sièges arrière. Alors là, le paysage, il est pas ouf, mais quand j'étais dans les Alpes, quand je suis allé à Genève, ça doit être magnifique, hein. C'était absolument splendide. T'as les yeux partout. Ouais. C'est un bonheur des yeux, c'est un bonheur des oreilles, c'est un bonheur également du toucher parce que vous avez du beau matériau. Moi, je suis sans arrêt en train de tripoter. C'est vrai que quand tu touches le volant en carbone, ça a son petit effet. Et puis regarde quand même à l'arrière, t'as quand même deux places. Deux vraies places, ouais. J'ai emmené des adultes à l'arrière. T'as pas de coffre par contre, mais t'as emmené des adultes. Le coffre est ridicule. Mais le coffre est ici en fait, c'est ça, c'est ça. Alors dans le coffre, on met un sac de sport et encore, il faut que des affaires molles. Ouais. Hein, n'emmenez pas de mocassins. Ou je ne sais quoi. Alors, ça ne rentre pas, ouais, ça rentre. Faire molle. Ouais, donc il faut partir mais léger, voyager léger, et le cœur léger, et le ventre léger. Ah, par contre, on voit que Maserati a insisté sur le subwoofer et les haut-parleurs parce que carrément ça prend limite la place du milieu. Bon, alors, tu as une, en fait, en option hein, celle-ci. Ah, c'est une option. Tu as une Sono Harman Kardon. D'accord. Ah oui, c'est écrit ici. Ok. Bon, elle est bonne. Honnêtement, convenable. Est-ce que c'est la priorité? Non. Bah non, c'est pas la priorité. Bah, tu rigoles. J'ai pas eu beaucoup écouté la radio parce que la symphonie du moteur est telle que. Radio Nova, non, t'as pas pu profiter du. Cette fois-ci, non. Cette fois-ci, non. L'interface de l'infodivertissement, c'est pas forcément c'est le point fort de faire. C'est pas mal, ça fait le job. Ça fait le job. Surtout, on a l'Apple CarPlay. Ah, bien. Ce qui est très très pratique. Top. En route. Bref, ça fait le job. Ça fait le job. Ça fait le job et cool. Ça le fait bien. Super, super. Bah, merci Cyril. À choisir, tu la prendrais? Alors, pour 180 000 euros, je le ferai avec toi. Ouais. C'est pas forcément le choix vers lequel j'irai. Pas immédiat. Pas immédiat. Mmh. Par contre, j'ai parcouru un peu les annonces. Ouais. C'est des modèles aujourd'hui que tu vas trouver 60, 70 000 euros. Ah oui, quand même. Et là, par contre, oui, je la prendrai. Ouais. En occasion, première main, dans le réseau Maserati. Bien sûr, toujours. Je pense que là, il y a moyen de se faire plaisir pour des prix, je vais pas dire abordables, on va non, pas dire mais ça. Mais moitié moins cher. Pour des quoi. Prix quand même. Qui sont. Je pense qu'elle va coter plus tard cette voiture. Moi je pense que ça va être un collector aussi. Parce qu'il y a une ligne, il y a un sûr. Moteur Ferrari et ça c'est pas n'importe. Et bientôt quoi. Ça sera fini. Bientôt. Exactement, ça sera fini, les moteurs Atmo, hein. On est sur de l'Atmo les amis. Oh là 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 là, tu me fais vibrer Cyril. Non, c'est incroyable. Et moi je suis passager, je vois les détails. Vous avez les compteurs qui sont en carbone. Et non, il y a un vrai détail de finition quand même. Je suis assez surpris hein, pour cette Maserati. Ouais, j'étais ouais. habitué à la Ghibli. Rien à voir. Hein. Rien à voir. Là, celle-ci, elle est vraiment. Cette grande cabrio, elle est vraiment bien. Et elle fait pas son âge, j'ai envie de dire. Parce qu'elle est peut-être un peu datée sur certaines choses. Alors, je vais être franc. Hein. Ouais. C'est daté. Franc. Je vais vous montrer sur quoi c'est daté, par exemple. C'est daté. Bah, regardez cette partie clim ici. Bon. Ouais, ça date. C'est daté. L'écran rattrape le tout. L'écran rattrape le tout, mais. Moi, ici, sur ce plastique, c'est un peu cheap. Bref, il y a quand même 2-3 détails. On ne va pas dire que du bien de la voiture. Non, c'est sûr. Il y a quand même 2-3 détails sur à lesquels revoir, on sent. Bien sûr. Non, pas à revoir, mais on sent que voilà, elle a son âge. Ça l'a pris, c'est normal. Bien sûr, bien sûr.
Bon, le prochain modèle, millésime, c'est voilà, quoi? Il n'y a pas de millésime, ce modèle est arrêté. Ah, c'est fini. On n'aura plus de grand cabrio, c'est fini. Alors, on se donne déjà rendez-vous. Déjà. Parce qu'en 2020, ouais. Maserati présente son nouveau coupé sportif à Genève, qui sera normalement commercialisé en 2021. D'accord. Donc, rendez-vous est déjà pris l'année prochaine, les amis. Rendez-vous pris. On va où? À Genève. Eh oui. En Maserati, je ne sais pas, mais ah. On va à Genève. Ça, c'est sûr. On va voir les nouveautés de 2020. Ah, nous, oui, nous ça, on est dans sûr. Le turfu, les amis. En 2019, c'est fini. On c'est est ça. 2020. Maserati, c'est le turfu. Voilà. Bonne conclusion. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Le petit like qui fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. J'espère que vous avez pris du plaisir, du bon temps avec nous, avec ce ouais. joli soleil et cette belle italienne. Et surtout nous, on Cyril. En a pris beaucoup. On a pris beaucoup, les amis. Et puis surtout, on oui. espère qu'on a réussi à vous le faire partager, ce plaisir. Alors n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous pensez de cette voiture, de ses concurrentes, et si vous avez passé un bon moment. Et la dernière chose à dire, moi, ce sera ciao tutti. Ciao, ciao. Allez, à très vite pour de nombreuses et de belles vidéos. Ensemble, ciao. C'est vrai que tout à l'heure Cyril nous parlait du coffre. C'est pas pour voir son poste arrière, mais c'est vraiment pour voir la capacité du coffre. Alors forcément c'est un cabriolet, donc il y a la capote qui prend. C'est une capote en toile, hein. Ouais. Donc forcément, bah à quoi sert le coffre d'une Maserati grand cabrio MC? Ça sert à mettre son ordinateur. Des affaires pour deux, hein, mais dans des pays chauds. Pays chauds. Donc là, ce qu'il fait Cyril, c'est qu'il me donne les vidéos du salon de Genève ouais. pour faire le montage. Donc forcément, vous verrez la vidéo du salon de Genève bien avant cet essai. Tu veux les photos avec? Je mets tout, je veux tout, Cyril. Tout, 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 tout. Allez. T'as combien de fichiers là au total? J'en ai. 1000, 2000? Je ne sais plus. Voilà, je vais avoir du travail hein, à cause de j'ai toi. J'ai 12 gigas. 12 gigas de vidéos de photos. Sympa. Et la sport? Ouais. Bon, allez, ciao.